Origine chapitre 2, au verset 8, il dit: ensuite, par la manifestation de sa volonté, l'homme a fait sortir du monde spirituel un beau, un grand, beau, mystérieux Monda Ma Munyenge, qui veut dire jardin d'Éden. Le vrai nom du jardin d'Éden, en gros, le vrai nom du paradis, dans le visible, c'était Monda Ma Munyenge. Monda qui veut dire jardin, et Munyenge qui veut dire délice. Donc c'était le jardin des délices. Le jardin des délices, c'était ça, Monda Ma Munyenge. Donc on vous apprend ici qu'à un moment donné dans l'histoire, quand on a fait la planète Terre, c'est-à-dire Massima Wassé, et ensuite, à l'intérieur, le continent est apparu. C'est ce qu'on appelle Munyele. Et ensuite, au centre même du continent, écoutez attentivement, au centre du continent, on vous apprend, déjà, dans le continent, ça devient Wassé. Et on fait pousser de l'herbe, on fait pousser la verdure. Ça devient un jardin. Dans toute l'Afrique, à l'époque, c'était le jardin. En gros, c'était un Éden. C'était un Éden. C'était Munyenge. C'était un lieu de délices. Et maintenant, dans le centre, on va centraliser maintenant. C'est pour ça que la notion du centre apparaît. Et dans le centre de Wassé, on va ramener, on va manifester un jardin qui est issu du monde spirituel, qui va symboliser le Saint des Saints dans la capitale de Wassé, de Munyele. Et c'est ce que vous appelez Jardin d'Éden. C'est Monda Ma Munyenge. On va le placer dans le centre.